Bonjour. L'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous guidera. Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. Ces paramètres de langue ont été détectés sur votre système. Sont-ils corrects? Ajustez vos paramètres d'écran. Merci. Sélectionnez votre profil. Veuillez ne pas éteindre votre système quand ce symbole s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant commencer Détroit. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. Négociateur vient d'arriver. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Éloignez cette drogue de ma fille! N'arrêtez pas cette drogue d'approcher d'elle! Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant ? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe.
Juste discuter et trouver une solution. Discuter? Je veux pas discuter. C'est trop tard de toute façon. C'est trop tard. Est-ce que t'es armé? Non. Je n'ai pas d'arme. Tu mens. Je sais que tu as une arme. Je te dis la vérité, Daniel. Je suis venu sans arme. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais que c'était le bruit de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais leur souhait. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres, Emma. Daniel, non! Il perd du sang. Si on ne conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Il se part mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant?
Je vais lui poser un garrot, d'accord? Ne touche pas! Touche-le et je te tue! D'accord? Écoute! Je sais que ce n'est pas ta faute! Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme! Non! C'est pas ma faute! J'ai jamais voulu ça! Je les aimais! Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux! Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Confiance, Daniel! Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille, et je te promets... Je veux pas mourir! Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. Thank you.